C'est la fin d'une rencontre d'une semaine bien garnie entre le président de conseil d'administration et propriétaire d'entreprise avec d'éminents professeurs. Pendant une semaine, le menu a été essentiellement stratégie, performance opérationnelle, digitalisation, résilience et gestion optimale du capital humain. Ce menu, offert sous forme d'études de cas pratiques et d'expériences avérées, avait pour but de permettre à ses patrons d'avoir un impact positif et important sur l'efficacité et la performance de leurs entreprises. Une mission accomplie par l'équipe de Martin Frigola, directeur général de M2E Business School. Il ne s'agit pas simplement d'un programme de formation, il s'agit tout un programme aussi de formation et de recherche pour étudier quelles sont les réalités des entreprises en Côte d'Ivoire et en Afrique et pouvoir fournir une formation qui soit vraiment adaptée. Tout ce qui concerne le conseil d'administration est très important pour donner une stabilité aux entreprises. Et la composition de l'actionnariat, la vision stratégique, la surveillance de l'opérationnel, arriver à temps, l'innovation, sont tant de sujets que le conseil d'administration doit savoir. Les formateurs aussi satisfaits de la qualité des échanges, mais surtout des auditeurs en face. J'ai eu trois jours très intenses d'études, de cas, de livres, de conférences, etc. Et je vais seulement féliciter l'MD pour l'organisation de ces programmes. Les auditeurs, quant à eux, comptent répercuter ces expériences et partagent de savoir sur la vie de leurs entreprises respectives. Bah écoutez, ça a été une formation enrichissante, très instructive. Et ça a été aussi surtout, on va dire, un moment de remise en question, justement, de nos pratiques, des pratiques quotidiennes que nous avons, que nous adoptons au sein de nos entreprises. Et aux sorties, on va dire, de cette formation, il est clair qu'on va, voilà, elle va me permettre, on va dire, de voir différemment les choses. Un panel de haut niveau avec un parterre de chefs d'entreprise a permis de boucler en beauté la cérémonie de clôture de cette formation.